L'éducation dans la sous-région Sahel fait face à de nombreux défis. Il est donc urgent pour les responsables du système éducatif de la sous-région de mutualiser leurs efforts afin de trouver des réponses communes à cette problématique. C'est à ce titre que se tient ici en N'Djamena la table ronde des ministres des pays du Sahel. Au lendemain de l'ouverture officielle des travaux, les ministres en charge de l'éducation participant à cette table ronde sont venus à la rencontre du premier ministre chef du gouvernement, l'ambassadeur Almaï Halina. Conduite par leur homologue du Tchad, Mamadou Boukar Ghana, la délégation a échangé à cœur ouvert avec le premier ministre qui place au centre des préoccupations la question de l'éducation nationale, inscrite au chantier 4 du projet de société du président de la République. Mamadou Saïdou, ministre de l'enseignement supérieur du Niger, se félicite d'avoir trouvé un chef du gouvernement qui porte un grand intérêt à l'éducation. Nous sommes venus rencontrer son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour lui faire le compte rendu des travaux qui sont déroulés hier sur la table ronde ministérielle, pour également recueillir ses conseils et ses avis sur les documents principaux qu'on lui a soumis, et également sur la feuille de route du projet relance. Surtout récupérer les déperditions scolaires et les enfants défavorisés du fait de leur contexte socio-culturel et du fait des intempéries, notamment les inondations par exemple, et également les changements climatiques d'une façon générale. La table ronde des ministres de l'éducation du Sahel de N'Djamena constitue une parfaite occasion pour les participants de discuter, d'échanger et de s'entendre sur des stratégies à mettre en œuvre pour l'amélioration de ce secteur, ce qui permettra de répondre de manière efficace aux attentes de la jeunesse de la sous-région Sahel.